Cette exposition, ça a été un coup de cœur lorsque j'ai vu les clichés de la famille Kennedy au golfe de Chiberta il y a plusieurs mois. J'ai donc demandé à rencontrer Frédéric Lecomte-Dieu qui m'a proposé cette exposition, qui avait plusieurs avantages. D'abord celle d'être à l'extérieur. C'est aussi la culture qui est dans la rue et non plus qui est enfermée. Et c'est particulièrement approprié dans des temps qui sont aussi compliqués pour la culture. Et même les Kennedy ne connaissaient pas la photo. Quand je l'ai envoyée à Boston, la famille m'a dit « on ne connaît pas cette photo, où tu as trouvé cette photo ?» C'est un original que j'avais trouvé en Allemagne. Et je trouve que c'est une des plus belles photos de lui parce qu'il est exactement comme il est habituellement. Et ensuite, c'était surtout un coup de cœur avec une femme que j'apprécie depuis très longtemps, qui est Jacqueline Kennedy. Et pour lesquels je voulais qu'on découvre en fait la femme derrière l'icône, l'icône de mode, une femme très profonde, très moderne et qui a énormément œuvré pour les droits humains, notamment son côté antiségrégationniste. C'est une femme qui a imposé à l'époque de la ségrégation le choix d'une couturière noire, Anne Lowe, qui a fait sa robe de mariée. Elle l'a imposée à son beau-père Joseph Kennedy. Elle a également imposé lors des funérailles de son mari que le cercueil soit porté à la fois par des militaires de couleur et par des militaires blancs. Donc c'est une femme qui avait des valeurs qu'elle a chevillées au corps. Elle a beaucoup œuvré pour que son mari également œuvre en faveur des minorités opprimées, de renouer avec cette Amérique qui nous a fait rêver, contrairement à l'Amérique des derniers temps qui a été un petit peu plus compliquée pour nous faire rêver. Et l'occasion aussi voilà, de revenir sur une longue page de l'histoire, puisque les Kennedy ont traversé le siècle dernier. Donc j'ai trouvé que cette exposition cochait pas mal de cases, et le résultat en tout cas est à la hauteur de mes espérances. C'est une très très belle exposition, et j'espère que les Biarrots pourront la découvrir tout au long des prochains mois jusqu'à la fin de l'été.